C'est des 2-3, mais oui, c'est plat. RPZ. Ok, on va poser ça. Ouais, peut-être aussi, du coup, parce que là, on a un problème. C'est que regardez, là, je vais infliger 5, d'accord? Donc, si je fais toc, toc. Toc, celui-là, normalement, il est censé me mettre une tête de mort pour me dire qu'il est mort. D'accord? Mais ça m'étonnerait que ça arrive du coup. Oh, il y a un problème là, ça crache? Non, c'est bon. Voilà, sauf que là, il n'y a pas eu de tête de mort. Bim. Donc là. Là, il faut que je gère la mort du héros. Et puis de mettre You Win et machin, etc. avec des feux d'artifice et tout barré. Yeah. Effectivement, c'est une chose à faire. Mais voilà. Donc là je peux plus le viser parce qu'il est mort en fait. Je peux plus le viser. Ouais, ça a bugué, je ne sais pas. Faites un petit F5. Moi ça marche très bien, donc je ne sais pas quoi dire. Ouais, il y a eu un petit freeze là, je pense. Même pas en plus. Ça vient même pas de moi, donc je ne sais absolument pas. Bref. Très bien. Donc là, il faut effectivement else. Donc si le c'est les mignons, else, c'est forcément un héros. Donc ou alors, non, et en fait, il n'y a même pas besoin de faire un. Is.target. Is dead. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin de faire ça. Je peux carrément faire un petit mignon target. Okay. Donc, else to do win condition. Ok. Bien. Image figée, j'ai bug, c'est revenu ensuite. Non, c'était gris avec le chargement et tout. Donc, non, normalement ça marche. En tout cas, chez moi ça marche. Ça reset un truc, je ne sais pas. C'est bizarre. Bien. Voilà, donc ça c'est target.isdead et tout machin. Ok. Bon, bah très bien, qu'est-ce qu'il nous faudrait faire là? La gestion de la main éventuellement, détruire les cartes quand on en pioche trop. Les trucs comme ça. Je suis toujours là pour t'encourager dans le développement de ton jeu Stone-like, je suis content que ton projet avance. Merci à toi Lucas Twitch, ça fait vraiment plaisir. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais ouais, ça avance, ça avance bien là, on est bien tranquille. Il faudrait faire, oui, il faudrait faire les spells et tout, mais ça c'est après. Les spells, on verra ça après. Bon, je vais faire une petite pause. En fait, c'est les effets, tout ça, ce que tu dis, les Battle Cry, les Death Rattle et tout. Tout ça, c'est les effets avec les spells et tout. Et donc, ça va être un truc à gérer en fait. Juste les effets. Voilà. Et donc, ça, tout ça, c'est tous les effets qu'il y aura dans le jeu. Pour l'instant, j'en ai mis que très peu. Là, j'en ai mis que deux. J'ai mis que quand un minion meurt et machin. Donc, voilà. Il faut aussi gérer aussi les events et tout, bordel. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, il faudra le faire à un moment. Mais là, on n'a pas encore fini le moteur de base. Qui va nous permettre de faire déjà les trucs d'avant. Ok? Je fais une petite pause, je reviens dans 5 minutes. A tout de suite, je vous laisse avec un petit peu de musique.
Bref. Alors j'ai un bug internet. Non, c'est bon. Bien. Est-ce que ça veut dire de mettre des sons? Mettez ceci dans vos favoris. Ok. On va faire des sons. Ça, c'est bien ça. Ça change rien, ça. Tu as pris avec toi ton bol de céréales. Ouais. Un peu plus de décay quand même. Ok. Alors, ceci te sert à faire des musiques. Des bruitages, pas des musiques, hein. Ça sert à faire des bruitages 8 bits. Donc on exporte ça dans nos sounds. Vraiment à attaque hit, d'accord? Décollage. Ah, mais je veux pas que ça monte, moi. Voilà. Mmh.
c'est pas mal ça. Salut Stickerage. Par contre, j'aime pas la fin. Ça c'est pas mal ça. J'aime bien la fin là, du coup ça remonte. Alors, c'est le son pour quoi ça? C'est pour le jeu, ouais, mais dans son Stone-like, oui. Après je clique sur Export Wave et ça récupère le wave. Tout simplement. Donc là c'est bien. Un petit peu faible. Voilà. On exporte. Mais le son pour quelle animation? Bah pour les morts et tout comme ça, les... Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, ça va rendre super bien. Ça va rendre magnifiquement bien. Attends, on était quoi pour les millions d'es? Quand même. Ça c'est bien ça. Voilà, et donc ça c'est quand un minion explose en gros. Minion destroyed. Enfin, minion explode. Ok. Là, on va faire quand on pose un minion. Ouais, non, ça fait pas trop. Bon.
on va déjà faire ce qu'on a là. Merde. On ajoute un nouveau folder. Add existing items. On va aller chercher les sons. Hop. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des réglages particuliers pour les sons? Non. Quality, best, c'est bon. On save. On va dans les ressources. On load les sounds. Donc on a attack, hit, minion, death, minion, explode. Ok. Donc. Là, on va avoir un effect ici. Ressource. Mais non, putain. Je suis dans où là? Action, ouais, bon, dégage toi. Ici. Ressource.sound. Attaque. Hit. Point play. Ok. C'est super dur à. Quand tu cliques sur Download, il y a des sons sympas. Ouais, ouais. C'est super dur à implémenter les sons dans. Dans Monogame. Bon, en soi, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Là, c'est juste parce que c'est un effet. C'est un SFX en fait. Donc, on peut juste le play comme ça et ça marche. Enfin, ça. Ça va passer. Donc, effect million death. Et donc là, on peut jouer. Le sound de Minion explode. Et là. Point play, pardon. Ok. C'est les mêmes sons que sur The Escapist. Bah, c'est possible que The Escapist ait pris ses sons sur ce site. Hein. C'est des sons 8 bits comme 100% des jeux NES, donc bon. C'est pas très original, mais. Et donc là, par contre, c'est. Il faudrait un start effect. Hein. Il faudrait clairement un start effect. Ou alors non, on met ça là-dedans. En fait, je me suis planté. Je me suis un peu planté. C'est vrai, en fait, créer une action death. Qui enclenche l'événement. Donc. Hop. Là. Public override start action. Et donc là du coup on peut jouer le son
Minion Death. Ok. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est effect manager. Alors. Du coup, c'est un attaque, c'est ici, voilà. Ah mais non, parce que du coup les effets de mort sont en même temps. Mais on peut faire par exemple que le... Action minion death, 10 points minion. Et donc là c'est target. Et entity minion. Et en fait, quand on commence l'action, elle est déjà finie. Action minion death. Effect manager du coup, point get. Hop, voilà. Point add effect. New effect minion death. This.minion. Okay. Base.start action. Éventuellement, on a le death et draw, mais du coup, on va rien faire dedans. Implémenting, là, 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 là. Voilà. Et en fait, donc ça, action death, par contre, c'est... C'est justement une action qui va être faite... bon, on verra. On verra, on verra. Donc base.start action. Et là, on fait direct set finished. L'action est déjà finie en fait. L'action c'est juste commencer quelque chose. Je vois que phase a été fait avec. Ouais aussi c'est possible. Effectivement. Voilà, on peut tester les sons. Let's go. OpenAL could not be found. Pre-miner, monogame. Pourquoi ça ne marche pas? Bon. Parce que je suis en DirectX, c'est ça, et qui me fout tout. Putain, c'est chiant. C'est chiant DirectX, quoi. Enfin, pas DirectX, OpenGL. Du coup, il met mes sons, c'est de la merde, quoi. Audio. Je sais pas. OpenAL, OpenTK.audio, OpenAL. Effect extension, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient ce putain de truc de merde? Putain, je chie, hein. Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis en OpenGL, ça fait de la merde, voilà. No audio hardware, exception monogame. OpenAL drivers could not be found. Alors, OpenAL drivers. OpenAL. C'est safe ça, Softonic? Je suis pas sûr.
On va. Voilà, ça m'a déjà un meilleur site. OpenAL, download. From UK. Donc je vais installer driver OpenAL, parce que visiblement je ne les ai pas. Bon, très bien. Donc on va les installer. Hop, extraire. Alors ça, il n'a pas besoin. Ça, il n'a pas besoin. Ça, on va l'exporter. Hop. Oui. OpenAL. Installation complete. Tu te fous de ma gueule là? Tu te fous de ma gueule là? Bonjour, bienvenue dans le programme d'installation complète. C'est bon, allez. Je vais redémarrer un petit peu ça, voir ce que ça donne. Bonjour, vous êtes en train d'installer installation complète. Bonjour, est-ce que vous voulez installation complète? Où voulez-vous sur installation complète? Qu'est-ce que... Très bien. Bah écoute. Waouh! Voilà les gros sons. T'inquiète, easy. Ah merde, il y a eu deux sons là, ça fait trop trop. C'est pas normal. C'est easy quoi. Easy, easy, regarde. Easy. Ça fait bien quand même les sons, non? Après, il manque plein de sons, là, on est d'accord, hein, mais... en théorie, voilà quoi. Bon, très bien, on va remettre les trucs comme c'était. Card mignon, c'est des wisps, hein. De jouer là, pas que ça à foutre. Voilà, donc on a des sons magnifiques. Enfin, une petite animation quand il crève aussi, du coup. Ah bah oui, du coup maintenant je, en fait la mort c'est une action qu'on ajoute direct. D'accord? La mort est une action qu'on ajoute direct. Donc en fait, on va avoir un action mino death. Est-ce que c'est une action subite? Pardon, action, pardon. Is subite. Je ne sais pas comment dire en anglais. Ça serait marrant les voix des cartes en qualité de merde, genre comme sur SNES. Des voix des cartes. Bah on peut, hein. On peut, hein. Je parle, je compresse mon audio et c'est bon, hein. Comment on dit subit en anglais? Subit. Sudden. Is sudden. Voilà. Sudden. Soudain. Soudain t'as coup. Point is sudden égale is sudden. Ok. Bool is sudden. Ok. Et donc là on a un petit booléen. Public bool is sudden. Ok. Et attention les erreurs, vas-y go. Il vient de dire. Ah, il y en a deux. Donc false. Mignon death, ça c'est true, c'est une action soudaine qui peut arriver à n'importe quel moment. End attack, par contre, c'est pas une action soudaine. L'action soudaine. Non merci, voilà. J'ai que deux actions, tu vas me dire. Non, voilà, je me fais peur. Donc player start turn, c'est pas une action soudaine. Player end turn, c'est pas une action soudaine non plus, elle peut pas arriver n'importe comment. Summon mignon, c'est pas une action soudaine. Et puis c'est tout. Et player draw card, c'est pas une action soudaine, ok? Elle est enclenchée par quelque chose, d'accord?
C'est le joueur qui choisit de pêcher une carte. Et Tart Attack non plus est pas soudaine non plus. Voilà. Donc en fait pour l'instant il n'y a que la Death qui est soudaine. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on ajoute en fait une action dans l'action manager ici? Quand on ajoute une action, si l'action est soudaine, on l'ajoute dans la main queue directement, d'accord? Okay. Par contre si elle n'est pas soudaine, on l'ajoute dans la fin des queues. C'est exactement ce qu'on avait dit la dernière fois qu'on a fait notre design. Notre design, voilà, et donc du coup ça gère automatiquement tout bien. Donc là, du coup, je peux attaquer, ça va ajouter directement l'action dans le truc. Voilà, on peut faire éventuellement le bruit du bouton aussi. Le bruit du bouton, dégage toi, hop. Avec un slide. En noise? Non. Easy. Je sais pas ce que c'est la moute. C'est un peu chou comme son d'un bouton, ça. Chelou. Ouais, bon, c'est bien ça, non? Ça fait chelou pour un bruit de bouton quand même. Ça fait chelou. Ça, c'est bien ça. Bon, allez. Allez, en même... Putain.
Allez, ma souris de merde. Putain, c'est la note entre les deux là. Ah voilà. C'est bon, on est bien là. Un bruit de coin, c'est pas mal, non? Ouais, ça peut être bien, ouais, mais... Ça, c'est quand on passe sur les boutons, ok? C'est un bouton over. Voilà, donc on ajoute ces deux sons. Hop. Content sound. Donc button click, bouton over. Hop. Magnifique. On vient de notre projet. On les ajoute ici. Click over. Hop. Save. Dans les ressources, on les oublie pas. Bouton click. Bouton over. Ok. Donc, le bouton entity bouton. Donc là, isPresset égale true. Donc ressource point sound de button click en play. Ok. Et quand on est over, c'est ça. Et this.currentState est différent de buttonState.over. Button over. Okay. Voilà. Le bouton Windows est plus pour faire un gros zoom. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Fuck? C'est de la merde en fait. Du coup, carrément. C'est de la merde. Ok, c'est carrément de la merde. Et en plus, quand le truc il se remet en truc, du coup, ça refait le bruit. Donc, on va pas mettre le hover, on va juste mettre le clic. Avec le vieux bruit de merde, genre tu passes ton tour, ça fait génial quoi. Ok. C'est bien, hein? Easy peasy. Bon. Voilà. Alors. Du coup. C'est nickel. C'est nickel. Bon. Faudra aussi afficher donc début du tour, player turn, machin, etc. Avec des windows, ça c'est cool. Mais ouais. Mais ouais. Et donc du coup, ça se passe bien avec des avec un truc normal. Non, dans Game 1. Bon. Là, si on met Alpha Blend, on a voilà le contour qui est un peu plus joli, hein. Mais du coup, le truc est dégueulasse. C'est ça que ça m'énerve.
Ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve tellement. Bref, bon. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, je pense que je vais arrêter là un peu pour Hearthstone. Je vais reprendre tout à l'heure et on va passer sur sur League Wars. Du coup, voilà. Tout simplement. J'ai envie de faire un petit peu de League Wars là. Donc très bien. Donc je vous dis à tout de suite, 5 minutes, je redémarre le stream pour changer le nom et tout, et puis je vous dis à tout de suite, restez là.